Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui avec William, cofondateur de Swoon Swoon Submarine, petit studio indépendant basé à Montpellier, qui est déjà assez connu dans le milieu des jeux indépendants, notamment français, pour avoir développé Blocks That Matter et Tetrobo Tanko. Et du coup, on est ici pour parler essentiellement de votre nouveau jeu, donc qui est Seasons Afterfall. Donc on va d'abord aborder Seasons et après on va poser quelques questions un peu plus générales. D'abord, est-ce que tu peux nous parler du jeu? Parce que alors Seasons Afterfall, c'est un jeu que personnellement j'attendais beaucoup dans l'équipe depuis son trailer d'annonce en 2010, mais je crois qu'avant la Game Connection, même dans mon équipe, savait de quoi retourner le jeu, puisque bah il est à l'état d'un prototype. Du coup, voilà, est-ce que tu pourrais un peu expliquer qu'est-ce que c'est le jeu? Seasons Afterfall, c'est en fait le premier jeu qu'on voulait faire au sein de Swoon Swoon Submarine quand on a commencé en 2009. On avait fait une première démo, et on n'était que deux à l'époque, et on voyait bien qu'on n'avait pas assez d'expérience ou de talent à l'époque, et ni d'argent d'ailleurs, pour le faire. Donc du coup, on avait décidé de l'arrêter, et c'est comme ça qu'on s'est mis à faire Blocks That Matter et Tetrobo Tanko. Et donc, 4-5 ans plus tard, nous revoilà avec Seasons. Maintenant, on est une équipe de 4-5 personnes, et puis bah on est prêt à le faire. Donc, contrairement à nos précédents jeux qui étaient plutôt des jeux de puzzle, même s'il y avait un peu de plateforme déjà dans Blocks That Matter, là on est sur un jeu d'exploration dans lequel on joue un renard qui a la capacité de changer les saisons à tout moment et à tout endroit. Donc voilà, le but du jeu, ça va être vraiment d'explorer, d'absorber des saisons et de jouer avec pour changer dynamiquement le décor et puis le comportement des créatures qu'on rencontre. Tu dis que c'est un jeu d'exploration, mais du coup il y a quand même, on garde quand même une composante énigme. Oui, un petit peu, puisque du coup il va falloir switcher entre les saisons pour faire grandir les arbres. C'est ça, il y a quand même une composante énigme, une composante plateforme, mais voilà, on veut que ce soit un petit peu plus simple, au moins dans la première partie du jeu, pour pas refaire des niveaux super compliqués comme dans Tetrobot. Et puis parce que le jeu sera plus aussi porté par la narration ou l'ambiance. Et puis il y aura des énigmes aussi dans la deuxième partie du jeu qui là seront un peu plus corsées, mais pas aussi corsées que dans nos précédents jeux. C'est pour ça que je dis pas trop puzzle. C'est vraiment exploration et aventure. Et du coup, l'ambiance, le scénario, tu peux nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? On joue un renard qui va devoir rencontrer les gardiens des saisons, donc qui sont des grands animaux un peu fantomatiques. Voilà, dans différentes régions du jeu, et qui va devoir absorber leur pouvoir pour pouvoir utiliser le pouvoir des saisons. Au début, on ne va avoir aucun pouvoir spécial. On pourra juste sauter, aboyer, des choses comme ça. Et puis, on va être amené à visiter différentes régions du jeu de façon linéaire d'abord. On va absorber les pouvoirs un par un, et au fur et à mesure, on pourra donc changer les saisons et accéder à de nouveaux endroits. C'est un peu comme ça que ça va se passer. Et puis, dans la deuxième partie, on réouvrira les zones qui étaient fermées auparavant, et le joueur devra chercher lui-même. Et donc, le scénario, tu veux développer un petit peu plus, ou alors pour l'instant tu t'en tiendras? Non, pas pour l'instant. D'accord, pour l'instant on s'en tiendra à on veut retrouver les maîtres des saisons. Exactement. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que vous souhaitez aborder à travers Seasons Afterfall, à travers la narration? Tu peux juste me répondre oui et me dire on verra plus tard si tu ne souhaites pas encore développer. Si, si, il y a un thème qu'on aimerait bien traiter en fait, c'est l'illusion d'avoir le contrôle justement sur les choses. Le contrôle des saisons en l'occurrence. Oui, et aussi du renard, donc je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure. Ah, il faut bien mettre un peu de suspense. Ouais. Alors, pour développer le jeu, vous utilisez Unity. C'est le moteur que vous utilisiez pour vos précédents jeux, ou alors vous êtes passé sur celui-là pour Seasons Afterfall. Unity, il faut savoir que c'est un moteur qui est développé par Unity, mais que quasiment une grosse partie des jeux indépendants utilisent de nos jours. Pourquoi? Parce que c'est un moteur qui est très facile d'accès, qui permet très facilement de faire tout ce qui est animation. Ça se présente même directement presque comme un éditeur de niveau. On peut mettre, tester immédiatement. Même au niveau du code, c'est assez simple. Du coup, ce qui fait une des grandes forces d'Unity aussi, c'est qu'il est très facilement exportable sur plein de supports. Du coup, on peut faire le jeu sur une plateforme, et après optimisé pour d'autres plateformes, etc. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à passer à Unity? Est-ce que c'est ce que vous utilisiez déjà avant? Le premier jeu qu'on a fait n'était pas sur Unity, mais dès Tetrobo Tanko, on est passé sur Unity justement pour avoir cette facilité de portage sur d'autres plateformes. Tetrobo Tanko, on l'avait fait vraiment en pensant le faire pour du tactile, et puis au final, on l'a sorti d'abord sur PC parce que nos joueurs étaient d'abord sur PC. Mais voilà, dès le début, on s'est dit, on devrait avoir à un moment donné une problématique de portage, et donc il nous faut un moteur tout simplement qui soit flexible et qui nous permette de porter facilement les jeux. Donc on utilise Unity, et comme tu dis, on peut faire plein de choses, mais on fait nos propres outils en fait d'animation et d'édition de niveau, tout simplement parce que voilà, on sait ce qu'on veut faire avec Seasons. On a un type de graphisme bien spécifique, et donc pour que ça ne se voit pas qu'on utilise des astuces pour répéter des décors ou des trucs comme ça, on a fait nos propres outils. D'ailleurs, à la Game Connection, il y avait deux de tes collègues qui faisaient une conférence sur ces outils là une conférence qui a eu pas mal de succès. Déjà, il y avait pas mal de monde, alors que c'était pendant les Game Awards, donc où la salle était blindée, il y avait pas mal de monde, et du coup pas mal de
gens intéressés, il y a eu des questions. Donc voilà, pour l'instant, a priori, tes collègues disaient que les outils, ils veulent bien les partager, mais pas les mettre sur l'asset store de Unity parce qu'ils veulent pas les maintenir. C'est d'abord pour faire votre jeu et après, on verra. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, les outils me paraissent super intéressants. Et après, t'as pu nous faire jouer un peu à Seasons After Fall. Du coup, c'est encore plus intéressant d'avoir vu ces outils hier et de là les voir en marche. Donc c'est vraiment super intéressant. Et juste par curiosité, Blocks That Matter, vous l'aviez développé avec quel moteur du coup? C'était d'abord avec XNA, donc c'était pour le Xbox Live Indie Game. Et ensuite, quand on était passé sur PC, on avait fait un portage en Java. Donc voilà, c'était ce qu'on utilisait. Du coup, la composante tactile pour Tetrabot, c'est pour ça que vous avez choisi de le porter sur Wii U plutôt. Même si c'est pas forcément une console qu'on décrit comme indie friendly. Pourquoi ce choix en fait? Faut juste replacer dans le contexte. Du coup, Tetrabot Co, il est sorti en 2012. 2013, c'était l'année dernière. Et sur PC. PC Mac Linux. Et du coup, il sort donc là aujourd'hui actuellement, donc c'est le 30 octobre, il sort sur Wii U. Ce que tu me disais, c'est que vous avez fait effectuer le portage par Neko Entertainment. Oui, en fait, on discutait avec Neko justement par rapport au portage. On voulait vraiment que Tetrabot aille sur d'autres plateformes, sur PS Vita notamment. Et avec Neko, comme Neko venait juste de sortir Wooden Sensei et puis ils avaient déjà aussi sorti Puddle sur Wii U, c'était plus simple pour eux de faire d'abord la version Wii U. C'est vrai que Tetrabot Co est fait pour le tactile, donc du coup tant mieux parce qu'il y a la Wiimote, il y a le touch sur le gamepad, voilà, et puis la PS Vita on verra plus tard. Mais c'était ma prochaine question. La Wii U comme la PS Vita se vendent pas très bien. Par contre, on achète beaucoup plus de jeux indépendants sur PS Vita, donc je pense que c'est le genre de jeu qui marcherait bien, surtout avec le tactile et tout. Je pense que c'est le genre de jeu qui peut potentiellement marcher. Et puis nous, en fait, on est joueurs depuis toujours, et Nintendo pour nous c'est un peu le constructeur historique, on va dire, et dont on aime toujours les jeux aujourd'hui. Et donc être sur Wii U, en fait, c'est pour nous c'est juste un bonheur. C'est la nostalgie aussi qui parle. Ouais, bah carrément. Et du coup, peut-être sur PS4 avec le pavé tactile, non? Ou vous pensez que c'est pas la peine? C'est à étudier. Pour l'instant, on se dit est-ce qu'on va aller sur PS Vita et du coup peut-être faire aussi une version PS4 pour profiter du cross-buy. De toute façon, a priori, c'est pas vous qui l'a développé, ça sera Neko ou alors quelqu'un. Probablement. Et du coup, pour la version iOS Android de Tetrabot, ce que tu me disais, c'est que a priori, c'est pour début 2015. C'est ça. On l'a repoussé depuis très longtemps. D'abord, on a dit décembre 2013 et puis après on a dit bon bah décembre 2014 et là maintenant on pense que ce sera plutôt début 2015, janvier ou février, mais ça j'en suis quasiment sûr maintenant puisque les portages ont été faits, enfin on est en train de les finaliser et il manque plus qu'à passer les validations avec les différents stores et à voir si on va pouvoir avoir de la visibilité quand le jeu va sortir. Ouais, donc une période stratégique aussi de lancement. Bah, sur le Google Play c'est rapide, mais après c'est Apple peut-être qui prend plus de temps. Oui et puis il faut qu'on soit sûr de quand on sort de d'avoir peut-être une bannière ou quelque chose comme ça, donc c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. Sur Season After Fall, tu me disais que vous cherchiez un animateur puisque vous n'êtes pas forcément tout à fait satisfait de ce que vous avez actuellement en étant que 4. Avec ça, vous avez aussi pour la musique une personne à côté que vous connaissez puisque la musique ne vient pas directement de chez vous. Parle-nous de la musique. D'accord. Okay. Sur la musique, on travaille depuis le début de Swing Swing, que ce soit sur Blocks That Matter, sur Tetrabot, sur Seasons, avec un musicien qui s'appelle Morusque. Son vrai nom, c'est Jan van der Krusen. Donc voilà, le style de musique sera très différent de ce qu'on a pu entendre dans Blocks That Matter et dans Tetrabot, puisque Jan a autant de facilité ou plutôt d'envie de faire des choses comme de la chiptune et aussi des choses plus modernes. Ça, il avait un peu mélangé tout ça dans Blocks That Matter et Tetrabot. Et pour Seasons, en fait, à la base, il a une formation de violoncelliste. Et donc, du coup, il va écrire une partition pour un quatuor de cordes. Et c'est ce qu'on peut déjà entendre, en fait, sur le trailer de la Gamescom. C'est Jan qui l'a composé et on l'a enregistré avec un ensemble musical. Tetrabot comme Blocks That Matter, c'était surtout des musiques d'ambiance. Là, ce que tu nous disais, c'est que vous vouliez faire les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'un peu comme dans un Tomb Raider où quand on joue, on entend surtout les bruits de pas de Lara Croft et puis la nature et aussi de temps en temps des nappes musicales mais qui ne composent pas des mélodies. On aimerait dans Seasons After Fall avoir ça et donc à des moments importants, quand on découvre un nouvel environnement ou quand on résout une énigme de la bonne façon. Enfin bon, de toute façon, il y aura probablement qu'une seule façon pour résoudre l'énigme, on verra bien. Mais quand on résout une énigme, en tout cas voilà, lancer une musique qui accompagne le joueur dans sa découverte ou dans sa résolution d'énigmes. Et donc c'est plus de la musique narrative que de la musique de d'ambiance. Comme tu le signalais, Tomb Raider 1 faisait très bien ça. C'est une excellente inspiration. Moi je suis un peu un fanboy de Tomb Raider, donc surtout des premiers, mais de nos jours la musique elle est omniprésente dans les jeux vidéo parce qu'elle est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus facile d'accès, etc., ce qui est souvent une très bonne chose. Enfin, moi c'est super de t'entendre dire que vous avez essayé de revenir un peu à ce genre de musique là qui est finalement
très rare de nos jours. Enfin, en tout cas, là, j'ai pas du tout d'exemple qui me vient en tête. Il y a quand même pas mal de jeux qui utilisent. Là, je joue à Styx en ce moment, qui est un jeu d'infiltration, qui utilise aussi, il me semble, un quatuor, quatuor de cordes d'ailleurs, différemment. Enfin, il y a quand même pas mal de jeux qui font de la musique évolutive, par exemple, quand on est en stealth et puis qu'ensuite on est en combat. Et ça, Styx le fait aussi. Donc ça c'est cool. En résumé, moi si tu voulais dire un mot sur l'animation puisqu'il a commencé à en parler. Bah sur l'animation en fait on n'a pas d'animateur chez nous, donc sur Tetrobot c'était pas un gros problème puisque Géraud a quand même des notions, qui est notre artiste, a des notions d'animation, mais là ce sera pas suffisant pour Seasons, donc on va prendre une sixième personne au sein de l'équipe. Sauf que le renard a un squelette plus compliqué que Tetrobot a priori. Oui, et puis on veut vraiment que le monde soit vivant, que quand on change les saisons il y ait vraiment des modifications quoi, dans le décor, donc on a besoin d'aller un peu plus au-dessus que ce qu'on faisait avant. Est-ce que financièrement ça pose pas de soucis parce que du coup vous êtes une petite équipe sur internet? Ce qu'on sait a priori sur le jeu, enfin ce qui a été communiqué, c'est qu'il est financé jusqu'en décembre, a priori vous pouvez travailler dessus, il n'y a pas de problème. Mais après ça devient plus difficile alors. Ouais. Pour la suite, crowdfunding, éditeur. Donc on a déjà eu une aide du CNC avec la FHJV, voilà. Là on est en train de chercher un éditeur, donc on discute, voilà. A priori c'est plutôt en bonne voie. Oui, mais je veux tant que c'est pas fait, je vais pas dire que voilà. Non. Mais oui, c'est plutôt en bonne voie. Je pense que Seasons arrivera à se financer et à avoir de la visibilité quand il sortira. Donc, mais sinon, c'est vrai que seul, je pense qu'on n'est pas capable de le faire financièrement. C'est un gros projet. Ouais, voilà, c'est un gros projet. Peut-être un peu trop gros pour nous d'un point de vue justement financier. Mais voilà, on verra peut-être qu'après Seasons, on fera d'autres projets. Si on en fait d'autres, peut-être qu'ils seront plus petits pour qu'on soit pas obligé à chaque fois d'aller travailler avec un éditeur et de voir trop gros tout simplement. Enfin, ouais, on verra. Mais là, on a tellement envie de le faire, en fait, que... Bon, bah, moi qui attendais un Kickstarter ou un Ulule pour béquer, bah... En fait, on aurait voulu le faire. Et puis, si on n'a pas d'éditeur, on le fera. Oui. Mais si on peut éviter de le faire... Non, mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux, un éditeur. Ça demande tellement de travail de faire un Kickstarter ou quoi. On préfère garder ce temps pour faire le jeu plutôt que... Je vous souhaite de l'avoir, du coup, parce que vraiment, c'est clair que c'est mieux, il n'y a pas à dire. Pour le coup, vous avez voulu commencer donc par Season After Fall. Vous êtes rendu compte que c'était un projet un peu trop gros. Vous êtes remis sur Blog That Matter et sur Tetrabot. Est-ce que vous avez une idée d'autres types de jeux que vous voudriez développer après? Alors oui, je sais que c'est compliqué parce que là on essaye de voir vraiment sur l'avenir quand on se demande encore quand est-ce que Season After Fall va sortir, mais est-ce que vous avez une idée ou une envie peut-être d'un type de jeu à développer? Alors là c'est difficile de répondre collectivement puisqu'en fait on est vraiment, quand on travaille ensemble tous les 5, bientôt tous les 6, on discute vraiment de ce qu'on veut faire. Pour l'instant on a fait Blocks That Matter, on était que deux à décider dessus. Tetrobot, c'est nous qui avions commencé le projet. Et les autres qui travaillaient avec nous, du coup, avaient leur mot à dire, mais c'est sûr que c'était déjà commencé. C'est pareil pour Seasons, du coup. Ils ont leur mot à dire par rapport à nous deux, avec Guillaume, qui étions là dès le début. Mais donc, du coup, après Seasons, ça veut dire qu'on fera notre premier projet à 5 ou 6 à décider quel projet on fait. Du coup, ce sera plus Guillaume et moi qui décideront. Donc voilà, je peux pas trop répondre collectivement. Moi, j'ai envie de faire plein de choses, même des trucs complètement farfelus. Mais je pense des jeux plus petits au niveau du temps de développement. Ce serait pas mal. Alterner un peu les grosses productions entre guillemets et les plus petites productions finalement qui permettent Ouais, c'est ça, parce que là on a fait Blocks That Matter en 6 mois, Tetrobot & Co. en 1 an, Seasons ça va presque prendre 1 an et demi, 2 ans, c'est long. D'accord. Seulement 6 mois pour Blocks That Matter. Ouais. Le concept il devait déjà être clair dans la tête, non? Parce que en fait on avait fait un jeu flash avant qui s'appelait Super Tario Tross, qui mélangeait Tetris et Mario, et on a laissé mijoter pendant 1 an, et comme il y avait plein de gens qui adoraient ce jeu flash, on s'est dit bon bah on va faire la suite de ce jeu mais à notre sauce. Donc avec notre univers, nos personnages, et voilà. Donc c'est comme ça qu'est né Blocks That Matter. Personnages qui sont assez excellents d'ailleurs. Oui, merci. Je me rappelle plus leur nom exactement, mais... Dernière question, qu'est-ce que tu penses de l'industrie vidéoludique française actuelle? Si tu as un petit avis sur la question, une question qu'on essaye de poser un peu à tous les développeurs français qu'on rencontre. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une exception culturelle française, on va dire. Le jeu vidéo, c'est vraiment international. Et un peu comme, enfin, en fait, d'un point de vue international, c'est le même ressenti que j'ai point de vue de la France. Il y a une grande variété de jeux qui sont développés en ce moment. Des gros, des petits, des moyens. Et c'est super, en fait, de voir que ça se fait, enfin, que c'est possible. Alors après, c'est pas facile pour tout le monde. C'est-à-dire que forcément, il y en a qui font des jeux et qui ferment juste après. C'est le contexte économique qui veut ça. Mais d'un point de vue de joueur, en tout cas, c'est super, quoi. Enfin, on peut jouer à tout
toutes sortes de jeux, et il y en a presque trop, quoi, d'ailleurs. Ouais, donc c'est plutôt bien d'avoir le choix de ceux à quoi on peut jouer. Après, c'est vrai qu'il y en a peut-être trop qui sortent, mais avant, on se plaignait qu'il n'y en avait pas assez ou qu'on n'avait pas assez accès à Steam, par exemple. Voilà, bon, c'est comme la nature, quoi, ça va, ça vient. voilà, c'est la vie. Et du coup, d'un point de vue de développeur, est-ce que tu trouves que c'est bien de développer en France ? Est-ce que toi, ça te va ou... Ah, j'ai pas de soucis. La nourriture est bonne. Ah, ça, c'est vrai qu'on a le fromage et le saucisson. Oui, en tout cas, on a quand même des aides, puisque le CNC est quand même une aide importante. Le petit problème qu'on a avec le CNC, c'est qu'on croit que ça nous est dû, alors que non, c'est une aide. Donc, il faut montrer qu'on est capable de faire des jeux avant de pouvoir obtenir de l'argent, ce qui me semble logique, puisque l'argent que les gens donnent aux impôts, c'est l'argent qui va dans la subvention. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a demandé l'aide qu'une fois qu'on était sûr qu'on pouvait l'utiliser à bon escient. Non, je suis super content que vous... D'ailleurs, ça faisait partie de mes questions que vous l'ayez eu, parce que le FHJV, c'est un truc super. Après, des fois, il y a des trucs qui sont un peu sujets à controverse. Ouais, voilà, ouais, des fois, c'est vrai que moi, je vois pas ça. Je vois pas la controverse. Ouais, mais non, mais du coup, c'est super pour vous. Donc, je vous souhaite de sortir Season After Fall le plus vite possible pour moi, et puis surtout le mieux possible pour vous, et puis pour les joueurs. A priori, c'est pour fin 2015, du coup. Ouais, plutôt fin 2015 pour l'instant. D'accord. Mmh. Okay. Merci. Puis, si tu veux nous envoyer des démos du jeu, n'hésite pas. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Merci à toi.